Mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbo ame bundu ya Congo talabiso wana toye lisusu antuka na mokolo mwalelo pambate lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mwayambo ya mposo mokolo mwatuku mibale na mwambi ya sanza zomi na mibale mubu ya koto mibale na tuku mibale tuku mibongo na ngonga ya zomi na mitano na miniti zomi na mibale elingi koloba ngonga ya mi sato na miniti zomi na mibale ya sima ya nzanga. Topesi bino banso, ba yenge, ba mbote pe balosako na bino banso, ba mamba tatabandeko, ezali wa bino molobeli, buta bopele bobala, elingi koloba, malamu koloba. Alors, ba mamba tatabandeko wala ndia Congo bololo, tozali solo pendant tuka, na esengo monene na mokolo mwalelo, pona kokuta na bino, pona ete tuko akosola sima ya mikolo mitano mubimba, en tout cas, tu solo lité, maman, tata bandeko. Mais le lot, tu solo la nini. Maman, tata bandeko, l'an de la Congo, bololo. Le lot, tu solo la nano politique, tu solo la nano, non, ba na misala, yaba mindele, ba kutanaki, c'est-à-dire que le bemba, le katumbi, le soriano, et le tulumbo, ba kutanaki, biso, tu solo la nano, wanate. Biso toko sula nanu makambu mususu ba maba tatamandeko ya kuluka solo pena tuka kotombo la nanu onere bwanya pe mayele ya baindo ba maba tatamandeko kolungo la nanu kompleksi d'inferiorite o ezali na kat na banwa. Boko limbi sangai ba maba tatamandeko alanda Congo bololo lelo toko sulu la tuka na lokota ya bapaya o etobengi franse pe toko melange ya solo pena tuka na lingala ba maba tatamandeko. Les lots ont deux points hauts au cours de la Congo bololo. Point à l'iboso, tu peux répondre, tu peux faire un an ou un an,
na moto ba bengi solo pe na mutombo alias Israël mutombo na kombo ya bapaya hein donc mutombo na kombo ya mboka na Kasai alors na kombo ya bapaya Israël donc akela kozwa na mboka ya baninga po na kosala ngo promotion na mboka na ba mata ta ndo balanda kongo bulu to ko répondre na alors deuxième point na biso to ko soa likambo etali solo pe na tuka to ko tia bino malo yembo ya Alpha Blondie na likambo etali pardon na moni bandeko va partager ango mingi parce que ba sepeli na ngo ba mama ba tata bandeko. Alors nous allons essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est le pardon selon la culture hein, donc négro-africaine. Nous allons essayer un peu d'expliquer ça et surtout hein, selon la culture d'après donc la culture Congo. Voilà en gros au tokoswana bino solo en tout cas na pokwa lero ba mama tata bande ko landa Congo bololo. Alors ba mama tata bande ko landa Congo bololo, vous avez vous-même suivi l'émission de monsieur Mutombo alias Israël. Je rappelle alias Israël parce que Israël ce n'est pas le nom de ses ancêtres, ce n'est pas le nom de son pays. Mais c'est le nom d'un pays, d'un autre peuple. Alors, c'est pour cette raison que je l'appelle alias. Et lui porte ce nom tout simplement par un complexe d'infériorité, alors parce qu'il ne se connaissent pas. Alors, M. Mutombo, alias Israël, il a fait une émission dans, sur sa chaîne, je vais dire, donc, sur la personne de Monsieur Williams Mario Branham. Alors, je vais essayer un peu de répondre à ce monsieur qu'on appelle Mutombo alias Israël. Parce qu'il a fait l'éloge, n'est-ce pas, de Monsieur William Mario Branham. Il a fait l'éloge. Et donc, il a chanté même à la gloire, n'est-ce pas, de ce monsieur. Alors, je vais expliquer. Je vais essayer un peu de donner les détails, d'expliquer à nos spectateurs, donc, M. William Mario Branham. Qui est ce monsieur-là? Que M. Mutombo alias Israël, par son complexe d'infériorité, il est présenté comme un prophète de tous les temps. Alors, mes chers frères et sœurs, et nos téléspectateurs, merci beaucoup d'être là et de nous suivre. Je vous demanderai à tout moment donc, de partager notre émission, de partager notre vidéo et de s'abonner massivement parce que c'est ici qu'on enseigne la véritable culture négro-africaine. Alors, M. Mutombo, alias Israël, il a présenté à nos frères et sœurs de l'Afrique et du Congo en particulier. Donc, en glorifiant ce monsieur qu'on appelle Williams Mario Branham. Alors, je vais expliquer qui est Williams Mario Branham. Williams Mario Branham, c'est un membre, il était un membre de Ku Klux Klan. Alors, Ku Klux Klan, on abrégé, on appelait à cette époque-là, donc KKK. Alors, quelle est cette organisation? C'est une organisation raciste aux États-Unis qui a terrorisé, en tout cas, nos frères noirs qui ont été déportés par les marchands d'esclaves. Et ce monsieur, il faisait, n'est-ce pas, de cette organisation. Donc, aux yeux des noirs, Monsieur William Mario Branham, c'est un terroriste, c'est un criminel, c'est un brigand. Alors, un noir qui se respecte et qui respecte nos frères qui ont été kidnappés par des marchands d'esclaves aux États-Unis d'Amérique, donc ne peut pas et en aucun cas donc glorifier ce monsieur qu'on appelle William Mario Branham. Et vous savez très bien, William Mario Branham était aussi membre de la CIA. CIA, c'est une organisation secrète des États-Unis d'Amérique. Alors, voilà, mes chers frères et sœurs, ça c'est William Mario Branham. Mais pourquoi
Monsieur Mutombo alias Israël peut prendre le courage, n'est-ce pas, donc de glorifier Monsieur Williams Mario Branham en disant que bon voilà, c'est un prophète de tous les temps, par, ou bien par l'ignorance parce qu'il ne connaissait, il ne connaissait pas William Mario Branham, qui était William Mario Branham. Si réellement un noir qui connaît le passé de William Mario Branham, un noir qui connaît hein, l'histoire, n'est-ce pas, de William Mario Branham, ne peut pas faire l'éloge, n'est-ce pas, de ces messieurs-là. C'est comme si les juifs qui, un juif qui est là, qui prétend, qui glorifiait, donc, les gens qui l'ont massacré en 1945. Alors, devant les Juifs qui ont été massacrés, qu'est-ce qu'ils vont réagir sur le propos d'un Juif qui glorifie, n'est-ce pas, leur boulot? Leur boulot. Leur boulot, je vais dire. Donc, cela veut dire que M. Mutombo alias Israël souffre d'un complexe d'infériorité. Alors, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de laver son cerveau et porter l'habit de l'orgueil de l'homme noir. Parce que l'homme noir a fait, donc, je peux dire, l'histoire de ce monde. Vous savez très bien que l'Égypte pharaonique, c'était donc l'Égypte noire. Donc, ce sont les noirs qui ont construit donc, la civilisation égyptienne. Alors, tout le monde en a bénéficié de cette civilisation. Alors, aujourd'hui, devant un monsieur qu'on appelle William Mario Branham, qui est un membre de l'organisation raciste, qui a participé, bien sûr, n'est-ce pas, dans les attaques racistes contre nos frères noirs aux États-Unis d'Amérique, et aujourd'hui, un noir en République démocratique du Congo, au lieu d'avoir la sympathie avec nos noirs qui ont été, n'est-ce pas, massacrés par ces groupes racistes, et entre autres, M. William Mario Branham, qui était le chef de cette organisation aussi, qui était le membre de cette organisation, et maintenant, M. Mutombo alias Israël, qui glorifie, n'est-ce pas, le bourreau de ses frères d'hier, alors vous voyez combien de fois que M. Mutombo alias Israël souffre des complexes d'infériorité. Alors donc, on ne peut pas le pardonner. Voilà un peu, mes chers frères et sœurs, chers auditeurs de Congo Bololo. Donc, tokoki jamais ko pesa solo, en tout cas, vraiment, koti katoloba, Monsieur Mutombo a utilisé chaîne naïe, il y a le coutan à politique, au bobenga gaboso na politique, pour na kosala éloge, n'est-ce pas, il y a William Mario Branham na kati ya Congo. Parce que moi na bilaka, azali moto oyo jamais a koki ko tolérer que bakou misaba glorifier, donc moto oyo a fait souffrir bande konaye, hein, na kati na mboka songolo pakala. Donc on a dit que M. Mutombo a utilisé sur la chaîne naïe pour na kosala éloge yaba bourreau ya bande konabiso oyo ba kinapa bango ba kenana bango sur la, en tout cas na États-Unis d'Amérique par les marchands d'esclaves. Donc tu peux accepter ngote ba mal. Donc William Mario Branham n'est pas un prophète. Azan est prophétité. Azan tout simplement une escroc oyo aouti solo pena ou taki solo pena, en tout cas l'organisation terroriste a koti solo azaki membre pays CIA, c'est-à-dire l'organisation secrète des États-Unis d'Amérique, oyo a participé donc à la massacre ya bande ko na biso mama ba tata ba ndeko. Alors moto moindo pena za ko se respecter, est-ce que a koti solo pena, en tout cas ko kena ko tombola solo pena, en tout cas moto oyo a participé na massacre ya bande ko na biso kuna na États-Unis d'Amérique. Donc ce qui fait que Mutombo alias Israël, c'est un criminel, c'est un terroriste. Et voilà, malheur que na bande ko na biso oyo ba bengi bango solo pena bana somi ya mboka ya Congo, ba lingaka toujours ko landa bato oyo baza ko kosa bango, oyo baza ko lalisa bango pongi, oyo baza ko lamusa bango te. Yamana bomona ka Mutombo alias Israël aza toujours contre les grands maîtres du danse mi bama ba tata bande. Parce que il ne veut pas que le noir puisse récupérer, n'est-ce pas, bo somi na bango, donc personnalité na bango.
Il veut que le noir puisse rester. Donc, les esclaves, n'ont pas, il y a pas principe, il y a pas paya. Donc, voilà, mes chers frères, Oyo Bolanda qui émission wana ya Mutombo alias Israël, ou en zako sala éloge, il y a terroriste raciste, Otobengi Williams Mario Branham. Alors donc, tu kouki jamais koti kayango sans que tu réagir. Je crois que bande Bolanda peut-être Oyo ba ye bakate, na kanisi a parti ya vidéo Oyo na Congo Bololo, donc bako comprendre pe bako yeba. Alors donc, Natangwana, en tout cas, va prendre des distances dans M. Mutombo, alias Israël, peut va prendre des distances sur Europe, en tout cas, na Mutoyo, Pabengi sur Europe, en tout cas, et le faux prophète qu'on appelle Williams Mario Branham. Voilà un peu, Bama, va tata, de Walanda Congo, Bololo, ou en Ezaraki, moi, point, ou yoto kokagi sur Europe, en tout cas, ko sala, point, moi, mise au point, quoi, ko sala. Pour na ko yano la solo pena en tout cas na moto yo ba bengi solo pena en tout cas Mutombo alias Israël. Alors pour na ko le kala deuxième point na biso ba mama tata ba de wala na Congo Bololo, donc to ko tiana no loyembo moko awa bongo na yango to meka ko décortiquer loyembo wala ba mama tata ba de wala na Congo Bololo, donc na simango nde to ko ya ko boucler émission na biso ya mokolo malelo. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. 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 Merci beaucoup, Maton Domingue, Bama, Batata, Bandeko, Balandia, Congo, Bololo. Alors, on a Tchelibino, Loyembo, Wana, parce que Bandeko, on a bisou, bah, partagé, en gros, vraiment, moi, Mingi, comme si, en gros, mais, pas Nangai. Alors, voilà, on a préféré, Nati, en gros, Sorob, Natuka, Nakat, na Congo, Bololo, pour tout, mais, quand on a décortiqué, Sorob, Nan, Loyembo, Wana. Loyembo, Wana, les Akolo, Bali, Kambo, Itali, pardon. Cette chanson nous parle, n'est-ce pas, de pardon. Alors, à ce moment-là, en tout cas, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, donc nous allons prendre cette chanson-là dans le contexte, n'est-ce pas, de la culture négro-africaine. Le pardon sur quoi, selon la culture négro-africaine. Et quand est-ce qu'on demande pardon, et quand on demande pardon, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez très bien, mes chers frères et sœurs, le pardon, c'est une bonne chose. Et surtout lorsqu'on a enfoncé quelqu'un, alors on doit demander pardon. Donc selon la tradition judéo-chrétienne, si vous avez été offensé par quelqu'un, il suffit tout simplement de dire que pardon, demander pardon, et que voilà, la personne vous pardonne. Dans la personne vous pardonne parce que vous avez demandé pardon. C'est ça dans la culture judéo-chrétienne. Dans le christianisme, c'est comme ça. Si quelqu'un tue, n'ose pas ton frère. Ou bien si quelqu'un tue votre frère. Si quelqu'un détruit votre maison. Si quelqu'un détruit votre village. Si quelqu'un détruit votre pays, il suffit tout simplement de demander pardon. Et alors, à ce moment-là, donc, vous êtes automatiquement pardonné. Ça, c'est dans la culture judéo-chrétienne. Ça, c'est dans la critique chrétienne. C'est ça la notion de colonialistes. Nous avons donc les enseignements colonialistes qui nous ont amenés. Et c'est comme ça. Ça, c'est pas suffisant.
Mais nous allons prendre le pardon dans les contextes, n'est-ce pas, négro-africains. Nous allons prendre le pardon dans les contextes de la culture Congo. Dans la culture Congo, le pardon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais le pardon ne se passe pas comme une petite chose. Le pardon, il y a des procédés à suivre. Si vous avez offensé quelqu'un, si vous avez détruit la maison d'une personne, si vous avez maltraité quelqu'un, il faut demander un pardon. C'est-à-dire que votre bourreau doit être là pour qu'il puisse demander pardon. Et quand il demande pardon, ça doit être accompagné par une récompense. Le pardon doit nécessairement être accompagné par une récompense. Parce que vous avez causé des préjudices à cette personne-là. Vous devez donc payer donc la réparation de ce que vous avez commis comme préjudice à l'égard de la personne. Et vous jurez devant le ciel et la terre que vous n'allez plus donc répéter ce que vous avez fait. Dans la culture négro-africaine, dans la culture Congo, le pardon ne se passe pas comme un bâton magique, par une parole verbale. Ça doit être accompagné par des actes de réparation. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, nous avons commis trop de gaffes. Nous avons trop humilié nos leaders, nos envoyés. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, vous avez humilié un envoyé du Seigneur à Congo. Ne m'en enseigne. Vous l'avez maltraité. Vous l'avez terrorisé. Vous l'avez emprisonné. Vous l'avez calomnié. Vous l'avez calomnié. Mais qu'est-ce que ce monsieur mérite pour tous ces actes que vous avez commis à son égard? Quel mal qu'il a fait pour qu'il puisse, n'est-ce pas, mériter cette calomnie? Quel mal qu'il a fait qu'il mérite ce terrorisme dans son palais royal? Quel mal qu'il a fait pour mériter la prison et les insultes? Tout simplement parce que il dit la vérité. Tout simplement parce que c'est pas pour que le Congo puisse accéder au développement comme tous les pays du monde. Tout simplement parce que c'est pas pour la destruction des frontières coloniales. Car les frontières coloniales, c'est une folie pour devant le Seigneur à Congo. À cause de votre ignorance, vous l'avez arrêté. À cause de votre arrogance, vous l'avez terrorisé. À cause de votre vandalisme, vous l'avez mis en prison. Alors, mes chers frères et sœurs, êtes-vous prêt à demander pardon de ce que vous avez fait à l'égard, n'est-ce pas, de grand maître de Mandansemi? Parce que son combat, ce n'est pas pour ses intérêts propres, c'est pour les intérêts de ses frères noirs et de sa communauté.
dire que le Congo doit être fédéral et que les provinces qui composent la République démocratique du Congo doivent devenir donc les États autonomes, car l'unitarisme ne nous a rien procuré. Le mariage forcé peut devenir un mariage d'amour. Alors, dans ces cas-là, si le mariage forcé ne devient pas le mariage d'amour, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se sépare. Et le grand maître de Mandassé, mais c'est un unitaire, n'est-ce pas, de l'Union des Timans, c'est-à-dire de la Confédération de l'Afrique centrale, qui dit la Confédération de l'Afrique centrale, c'est donc le fédéralisme. Parce que avec l'unitarisme pendant 60 ans, ça ne nous a pas procuré de bonheur. Que la souffrance, la misère, des pleurs. Mais alors, la personne qui se bat pour le bonheur du peuple congolais, pour le bonheur de l'Union des Timansi, alors vous l'arrêtez, vous le terrorisez, vous l'humiliez, vous le laissez démunis. Êtes-vous prêt à demander pardon? Si vous êtes prêt à demander pardon, êtes-vous prêt à faire des réparations? Car le pardon doit être accompagné par une réparation. Les médias ont participé à cette humiliation, à ce terrorisme. On a vu M. Mutombo alias Israël avec sa chaîne Lokutana Politique, et que vous appelez abusement Bosolona Politique, a fait la couverture médiatique. Donc, du terrorisme que le gouvernement en place, en République démocratique du Congo, a fait à l'égard du grand maître de Mandassé. On a vu Eliezer Tambwe alias Israël, alias Eliezer, avec son nom étranger. Dont son nom c'est Tambwe alias Eliezer, je m'excuse, est allé participer aussi à cette humiliation. On a vu Bosembe, un Mongo de Bassankoussou, a réussi Barnabé qui utilisait, n'est-ce pas, les mots déplacés à l'égard des grands maîtres de Mandassé, mis au rire, n'est-ce pas, de M. Bosembe, alias Christian. Êtes-vous prêt donc à demander pardon et donc de faire de la réparation pour les préjudices que vous avez commis à l'égard du grand maître de Mandassé? Voilà, à cause de notre ignorance, nous combattons ceux qui nous... vous voyez, tous ceux qui se battent pour nous, nous les combattons à cause de notre ignorance. Mais nous glorifions nos bourreaux. Nos bourreaux, nous les glorifions dans notre propre pays. Prenez le cas d'Hippolyte Kanambe, c'est un étranger, un Rwandais, qui n'a rien à voir avec le Congo. Hippolyte Kanambe, c'est un Rwandais. Mais vous êtes en train de le glorifier dans votre propre pays. Mais celui qui se bat pour le bonheur de nos enfants, pour nous, pour nos enfants, vous êtes en train de l'humilier. Vous l'avez humilié. Les médias ont participé à cette humiliation. Et vous avez fait ça. Et nous prenons à témoin. Donc, Debisimbi dans mon pépé. C'est-à-dire le génie de l'air, le génie de l'eau, le génie du feu et le génie de la terre. On vit
Et tous les ancêtres divinisés ont vu comment est-ce que vous avez humilié. Donc, les renvoyer. Donc, nous avons commis une grande faute. L'heure est venue pour demander pardon et réparer ce que nous avons vraiment donc commis comme préjudice à l'égard du grand leader de l'ère diverse. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, pardon et panabiso, et zalakaka ke loko, ya kolobanambe bouté, et singeli donc, et zala accompagné, donc, na récompense, donc la réparation, je veux dire. Mais kasi, bokoko ya bapayao baya ko memelabiso, ya christianisme, lobika ke soko o sali motomabe, alors donc, o singe kaka pardon, alimbisiyo. Te. Na misu atatanzambe apunktu lendo, soko sali mabe, alors donc, bako limbisa yo, me esengeli nano, o futa nano, o pirje la pen, ya mabe o yo sali. Pona ite mabe wane koka kokendi. Et yon so wana yken daka de génération en génération, ba maba tata wade. On moni ke mamangomba ya bapa ya biyamba, e yako la kisabiso makambo e yamabe zangatina. Yango wana, on moni ete, mouta ko telema, ako sala makama mabe na moninga, po a yebi ete, so ki ba komprende ke mouta sa yamabe ako telema po na ko senga bolimbisi, alo ba limbisi ye. Non, na mobe kwa tata nzamba pou kren de zagabongote. Da la culture negro africaine de zagabongote. Da la culture Congo de zagabongote. E dan bundu de a Congo, se ne pa kom sa. Se pa kom sa. Donc, reconnaître ma bien à yon beba na yon sali à l'égard de la personne ou yon offensé. Alors, singi pardon, pe. Au sali réparation. La réparation. Voilà. Bama tatabande wala da Congo bololo. Alors, c'est pour cette raison, les gens profitent, non pas à la fin de l'année, pour demander pardon à tous ceux qui ont été offensés. Les uns les autres, d'une manière verbale. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, Bamata. Alors, donc, il faut tout simplement envoyer quelqu'un une chanson qui demande pardon. Hein? Donc, c'est fini. Ça, c'est de la blague. C'est de la blague. Alors, c'est pour cette raison, Bamata, Tabandekona, Tchekinzi Mbouana, pour la été, Bandekona, va comprendre, en haut été. Soko saragi moutou mabe, soko saragi ndekounou mabe. Ou sengi pardon, me yé fa zarawana yo zarawana. Pardon wana yo go senga e sengeli donc o koukako repare prejudice o yo yo sali yé. Alors o jirepe devant le ciel la terre et que o ko repete ango di soussouté. Et puis soko repete ango, donc. Alors, tata ngwana, ah, di foutane zali gali. Voilà, maman va tata bande gwala de akou. Ngo bolo. Mwa mouke, oyo, na meme la ki bino, soro pena en tout cas, na après midi ale lan. Alors, donc, wana, tu koutan na bino sou soumba, moussousou, na mokola malobi, pou na ete, te kouka soro pena en tout cas, ou bele koukoba, na soumba biso na katia kou ngo bolo. Bon partager en tout cas Congo Bololo, bon s'abonner massivement. Alors donc, je vous laisse. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Nemanda Semi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta, Ibobo. Makanda mama musa mafutu kayotama Osa weni na ninga masina makikulu Kongoja pa kongoja futu kakongo Kuruzo lona matata mafumu tulendo Makanda mama musa mafutu kayotama
Thank you.